Yo les scènes, bienvenue sur Debut Time, vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve pour l'épisode 129 qui sera diffusé non pas la semaine prochaine, non pas dimanche prochain, mais dans longtemps, en fait, dans 15 jours. Le 4 mars, putain, le temps de mourir. Ouais. On me laisse sur ça. T'imagines, le 4 mars, parce qu'il y a un marathon féminin de Nagoya, je sais pas quoi, mon cul. Casse les couilles, marathon féminin, je te le dis. Mais non, c'est logique, c'est normal. Casse les couilles quand même. Et logique coup, ou pas, casse les couilles quand même. Ça sera le 25 février, ce marathon, ce marathon. Et il y a un autre marathon qui sera diffusé le 11 mars, donc pas d'épisode le 11 mars, donc ça veut dire un trou, 4 mars épisode, re-un trou, prochain épisode encore après. Parce que j'ai regardé un peu la diffusion des épisodes de One Piece. Moi je te le dis, ça se fait pas de faire ça dans ce moment. Mais attends, j'explique. La diffusion des épisodes de One Piece, il y a un trou le 11 mars. Le 11 mars 4, 11, c'est ça. Donc ça veut dire, pour Dragon Ball Super, c'est niqué aussi. À mon avis, on n'aura pas d'épisode. C'est logique. On aura le 18 mars, on aurait le 130, et le 25 mars, on aurait le 131 qui se termine, et le 1er avril, on commence avec Gegege. Voilà. Gegege no Kitaro, le 1er avril, et nous, en attendant, on attend tous avec impatience cet épisode 129, puisque Goku s'est éveillé une nouvelle fois à la maîtrise des mouvements instinctifs. Symptôme, puisque c'est Kizashi, hein, c'est les cheveux sont noirs et les yeux sont argentés. Goku fonce sur son adversaire qui est Jilen. T'es avec... un pélican, il fonce comme ça. C'est ça. Avec une animation vraiment cool. Jilen qui se défend, Kurosawa, animation de Kurosawa, on connaît bien les ombrages. Et... C'est ouf, hein. L'animation est ouf, mais même la réelle est ouf. Hein, parce que c'est la découpe du storyboard là, qui nous permet d'avoir cette projection de Goku. C'est vrai. Il aime bien faire ça, t'as remarqué, il fait des envolées dantesques à chaque fois qu'il y a un Migaté no Goku. Il a fait pareil Goku dans le 110. Ouais. J'ai pensé à ça, et là, Kurosawa, magnifique, le Jilen qui s'appuie dans le sol. Tu sens l'impact, tu sens la puissance. En fait. Ouais, c'est énorme. Là, ça, je trouve ça réussi. Et là, t'as vu l'angle de caméra? C'est ouf. On prend l'angle de caméra du dessous et Jilen qui décolle vers Goku. Ça, c'est magnifique. On sent que la réelle est bien meilleure que l'épisode qui vient de s'écouler, dont vous avez vu la review. C'est Mitsuka, c'est comme un. Mitsuka, c'est le meilleur réalisateur pour nous de Dragon Ball Super, hein, donc c'est pas étonnant. Hein. Tous les choix sont. Voilà. Là, il est en train d'appuyer sur les images pendant que j'essaye de parler et on voit carrément. C'est beau, regardez ces images. Commente. Voilà, on a quand même. Goku qui met un coup de pied et tout qui explose derrière. Ça va être un carnage. Cet épisode a intérêt à être spectaculaire, comme les images en tout cas nous donnent comme impression. Voilà, regardez cet échange de coups entre Jilen et Goku. Il y a même des coups de poing dans le dos, des coups de poing en traverse comme ça, etc. Mitsuka, il avait fait l'épisode 110. Donc, vous voyez un peu le level du mec. Je veux dire, il est très attendu. On en avait parlé dans les prédictions de Baba quand on avait fait la vidéo jusqu'à l'épisode 129. Là, on y est à l'épisode 129. Regarde un peu la réelle de ce Kamehameha de Goku qui est contré par Jilen avec son pouvoir. Et on sent quand même que même s'il a Goku en maîtrise des mouvements instinctifs contre lui, Jilen, il n'est pas en reste, hein, tu vois, il est pas. C'est il pas souffre un... pas pour l'instant. Non, non. Regarde, il était surpris par le punch qu'il a pris, certes, mais. Là, je passe ta vue, mais il le déchire. Là. Ah ouais, là, il le déchire. Là, il le nique. Goku est blessé au niveau de l'abdomen. Il décolle. Peut-être expliquer justement le fait qu'il n'ait plus de dogi sur le haut. Ouais. Que c'est cette attaque qui va le dépecer de ses habits. Il va le dépecer de ses habits. Dites-nous vous aussi si vous vous dépecez de vos habits quand vous êtes devant votre femme ou votre mari et que... Non, ouais, chérie, je fais comme Goku et tout, claque. Et on a une aura blanche intense qui apparaît. Goku certainement peut-être par terre qui se relève avec cette animation magnifique avec beaucoup de reflets et d'un seul coup on passe sur un gros plan avec Goku qui rappelle le film 6 qui se transforme en Super Saiyan. Ouais, c'est ça, bah c'est ça. Et alors beaucoup disent Takahashi, Takahashi, Takahashi. On ne peut que penser à Takahashi quand on voit ça, sauf que superviseur de l'animation sur le prochain épisode, on a Hirotaka Ni et Koji Nashizawa. Et en comparant en fait le visage de Goku avec ce qu'a déjà fait Hirotaka Ni, en fait c'est peut-être Ni, en fait c'est pas Takahashi. J'ai pas vu du Takahashi là-dessus. Ah ouais? Ah non, moi en fait j'ai vu justement quelqu'un sur Twitter en disant ouais Takahashi, etc. J'ai regardé le teaser plusieurs fois, j'ai pas ressenti la patte. En fait, Takahashi ferait beaucoup plus de détails d'ombrage que ce qui est fait. Parce que là en fait il y a juste un ombrage là. En fait je pense que c'est les yeux qui vous ont fait penser à ça, un petit peu très fin, mais Takahashi ferait quelque chose de beaucoup plus détaillé que 2-3 petits traits là, je pense. Prenez un plan de Takahashi, pour moi c'est pas du Takahashi. Après, moi c'est le nez qui me fait me dire que c'est pas Takahashi et, le nez. Et la forme du visage, parce que ça ressemble trop à ce que fait Ni.
Par contre, les yeux, c'est tout à fait ça, on est d'accord. Mmh. Et on passe même sur le gros plan sur l'œil, qui est vraiment très réussi, en tout cas. Ouais. Mais ouais, ça sera certainement Shilo Takami, qui a appris de... qui a appris de Takahashi. Parce que les épisodes sont réalisés environ... Pour un animateur, il met environ entre un mois et deux, on va dire. On va dire, grosso modo, pour faire ses animations dans un épisode. Allez. L'épisode, si je dis pas n'importe quoi, l'épisode 110, a été diffusé au mois d'octobre. Mmh. Donc, au mois d'octobre, donc il a le temps de s'inspirer. Donc, octobre, si il a commencé pour cet épisode, on dit deux mois, on est en février, s'il a commencé en décembre, ou même, même en fin novembre, il l'avait déjà, tu vois. Il l'avait déjà vu. Donc, il avait déjà eu ce qu'avait fait Takahashi. Donc, il est très possible qu'il se soit dit, ouais, effectivement, ça, c'est un beau rendu pour la forme de Goku. Donc, on va faire des ombrages comme ça, etc. Donc, c'est certainement Shilo Takahashi. Mm. Mais c'est un bon animateur, vous verrez dans le prochain épisode. De toute manière, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Mais du coup, ouais, l'apparence qui était teasée ce week-end, tout le monde disait, ouais, c'est du spoil, etc. Bah, elle est révélée, en fait. Donc, parce que ce qu'il fallait savoir, c'est que Love Jump sort là maintenant. Donc, en fait, ça sort en même temps. Tout sort en même temps. C'est-à-dire, tous les produits dérivés qu'on voit. L'apparence dans le V-Jump et l'apparence dans l'épisode là où on le voit du coup avec ses cheveux argentés, hein, on se doute que ses cheveux sont pas noirs, hein, quand tu vois du blanc comme ça, tout sort en même temps, donc c'était en corrélation totale en fait. Et du coup on repart vous lire le synopsis de l'épisode 129 teasé dans Animedia et ensuite un nouveau synopsis. Allez, alors le synopsis qu'on a vu dans le Animedia, il ne reste que 2 minutes avant la fin du tournoi du pouvoir. Et il ne reste que Goku et Jilin sur l'arène. Goku est coincé dans un rude combat contre Jilin et ses attaques écrasantes. Mais c'est alors que les pupilles de Goku commencent à devenir argentées. Bon, alors on n'apprend rien du tout en fait. Pour moi, c'est la fin de l'épisode 128. Ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Les pupilles sont déjà argentées quoi. Sur quand on l'avait eu il y a. Quand on l'avait eu il y a. Ouais, il y a quelques jours, semaines. Il y a 10 jours je crois. Ouais. On avait fait la vidéo il y a 10 jours. Regardez sur la chaîne, moi je sais plus. De toute façon, si je ouais, entre une à deux semaines, on s'en fout de toute façon. Ouais, grosso modo, on était content parce que ça nous apprenait des trucs. Mais là maintenant, en fait, je pense que ça, toutes les phrases que vous avez là, c'est ce que va dire le narrateur dans l'épisode 129. Parce que c'est déjà arrivé, que ce soit ça, que le synopsis, en fait, ce soit le prologue, si vous préférez, de l'épisode qui va commencer. Et du coup, on a un nouveau synopsis grâce à Fuji TV. On en aura d'autres certainement la semaine prochaine, ou cette semaine même. Mais là, c'est pas mal. C'est pas mal. Et là, on a donc... Goku s'éveille de nouveau à la maîtrise des mouvements instinctifs, ultra-instincts. Alors que Goku continue de combattre et monte en puissance, un nouveau changement se produit au sein de son corps. Donc ça veut dire que sa puissance augmente au cours du combat. Ça rejoint ce que Piccolo disait d'ailleurs aussi dans le 110, que voilà, ses coups ne cessaient d'être plus puissants, plus rapides, qu'il évoluait au cours du combat. Donc là, à mon avis, il prend le relais et il commence à s'habituer aussi un peu plus à cette forme, hein, puisqu'il commençait à essayer de tenter de maîtriser cette forme contre Keifla aussi. On avait vu aussi qu'il essayait de... C'était encore quelque chose d'inhabituel pour lui. C'était des symptômes. Hein. Il utilisait seulement, principalement l'esquive. Et lorsqu'il essayait de cogner, ses coups n'étaient pas assez impactants. Il n'arrivait pas à finir Keifla alors qu'il aurait pu, tu vois, largement. Il a surpassé largement. Donc, il n'arrivait pas à la finir avec des coups, à l'expédier assez loin ou la mettre KO. Et du coup, il a dû la finir autrement quand elle a fait son attaque ultime. Avec le fameux Kamehameha slidé dont tout le monde se souvient. De Kamel Wally. Non, pas de Kamel Wally. Non, non, c'était Otsuka et Yokoya, d'ailleurs. C'est Yokoya. Non, c'est pas ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut en sortir de cet épisode 129? La grosse question, c'est comment cet éveil, ce changement définitif va se produire. Vous savez tous maintenant, j'imagine, si vous regardez les prédictions de Baba, c'est que vous êtes des aficionados de l'avancée de l'histoire. Comment va-t-il atteindre cette pleine maîtrise? Ça, c'est la grosse question. Est-ce que c'est au fur et à mesure du combat et que du coup, il va s'habituer et qu'à un moment donné... T'as vu que j'ai sorti le t-shirt argenté? C'est ça. C'est pas un t-shirt, mais c'est pas grave, vous savez quoi. C'est vrai que t'as le t-shirt... Migate no Goku, voilà. Tout ça pour dire. Donc ouais, est-ce que c'est au fil du combat qu'à un moment donné, il va comprendre, ok, ça marche comme ça, et là, paf, transformation, deuxième pétage de coquille? Ou est-ce qu'il va y avoir un élément... Tu vois qu'il va péter la coquille de Jilin, il va le taper assez bas. Il lui attrape ses boules comme ça. Dis-toi, ça me rappelle, dans l'épisode 122, il y en a qui ont fait une parodie où Vegeta, il tape pas dans l'abdomen de Jilin, mais il lui touche ses boules. Merde. En même temps, il y a le micro qui se défait. Il lui touche ses boulasses et t'as Jilin qui rougit. Petit montage comme ça que vous retrouvez sur la toile, sur l'internet. Pas sûr que ça soit les tournures de l'épisode 129. Et juste pas sûr non plus, je pense que ça va être cet épisode-là où on va frissonner. Parce que là, l'épisode 128, c'était l'épisode émouvant, si vous voulez, où Vegeta était courageux, brave, et puis c'était touchant de voir ça.
Là, ça va être l'épisode vraiment où ça va, il va y avoir du saccage. Ah, du autant spectacle. Niveau réalisation, animation, ça va être un truc de bonne idée. De spectacle. De folie. Alors, est-ce qu'on va voir cette maîtrise juste à la fin, tout comme on a vu le Migate no Goku à la fin du 128, là on le verrait, ou est-ce que c'est vraiment genre avant le Laika, tu vois, par exemple? Ouais, peut-être bien. Parce que je pense qu'il va y avoir ce qu'on a déjà vu, l'échange de combat, ce qu'on voit dans le teaser, en fait, je pense que c'est la première partie de l'épisode, à part la transformation. Partie 1 sagage, partie B gros sagage. C'est pourquoi je pense ça, parce qu'on a déjà vu en fait le Migate no Gokui symptôme, donc avec les cheveux noirs, on l'a déjà vu 150 000 fois. Il reste 2 minutes. Donc, on va pas se taper encore un épisode où il le sort contre Jilin et puis à la fin il se passe ça alors qu'il nous reste que 2 épisodes après. T'en comprends? Donc à mon avis, je pense que pendant l'épisode, Goku il va avoir une blessure par Jilin. C'est-à-dire que Jilin il va tellement lui résister, on va tellement se dire putain mais c'est encore un ouf le mec il a en face de lui Goku. Il va nous vénérer. Avec ses mouvements instinctifs. Et non, il est pas accablé par la puissance de Goku. Il est juste surpris au début, mais après je pense qu'il s'y fait, parce que Jilin, on l'a vu, c'est pas une invention que de dire que son pouvoir augmente. On l'a vu dans tous les autres épisodes, à chaque fois sa force, il sombre pas le mec, il tombe pas à genoux, tu vois. Donc là je pense que ça va être pareil, il se prend des coups de poing au début, mais après il fait « je suis Jilin, moi tu crois que je suis qui ?» Et je pense que ça va être compliqué pour Goku. Et après là Goku il sort ses cheveux argentés, et là il massacre Jilin. Mais quid de Frieza? Moi c'est ça la question que je me pose. Je pense que Frieza il sortira dans... Enfin il sortira, je veux dire, on le verra dans l'épisode encore après. Peut-être qu'on le verra dans cet épisode, tu vois. Mais pas faire une intervention, je pense pas. Peut-être que je me trompe, mais je le vois plus intervenir vraiment vers la toute fin pour qu'il ait un impact et qu'il y ait une raison au fait qu'on le voit autant au sol et qu'il soit autant éclipsé. Tu vois. Parce que sinon ça n'a aucun intérêt de l'éclipser. Tu dis, il reste 2 combattants contre Jilin, etc. On ferait pas une vidéo sur Frieza, à la limite. Il y a des choses à dire. Il y a beaucoup de théories en fait. Et il y a beaucoup de trucs. Ça sera mieux. On pourrait faire ça. Parce que j'ai des petites idées, mais on les dira pendant cette vidéo. Ouais, parce que sinon cette vidéo va durer 12 heures. 12 heures. Donc voilà, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce que vous avez découvert avec ce trailer de l'épisode 129. Dites-nous si vous êtes chaud patate. Dites-nous aussi ce que ça vous a fait que de voir enfin en image la nouvelle transfo ou maîtrise de Goku. Et nous on vous dit à très vite, petit like aussi, mettez un petit pouce bleu parce qu'on n'y pense jamais assez, abonnez-vous si ouais. C'est pas fait, si vous avez aimé n'hésitez pas, hein. et puis à très vite, et on est sur G-Connection aussi, oublie pas, parce qu'on est sans amis là-bas, donc c'est bien, matané, ouais. Sans amis, non, il y a du monde, il y a du monde, mais on n'a pas beaucoup d'amis.